Yeah.
Simon Source, CNLB. Massacre du 17 octobre 1961, justice et vérité. Pour la reconnaissance officielle d'un crime d'État. Qu'attend la France pour faire son mea culpa? Le massacre d'octobre, un crime d'État. C'est mieux pour perdre. Contre lui, nous sommes les passeurs de mémoire. Massacre. Ouais.
Thank you.
Ici la police. Les Algériens ne votent pas Macron. La pire, c'est Hidalgo, c'est elle qui est la maire de Paris, et c'est elle qui leur a demandé de nous faire ça. Alors qu'à la base, on l'avait... Rappel. Non, pas du tout. Ce matin, il y avait les agents du consulat. Un les costumés, viens par ici. Un les costumés, viens par ici, s'il vous plaît. Il y en a qui sont passés là. Qu'est-ce que vous voulez? Les gens, ils me disent Il y a des dérogations. Ils sont 5. Et après, il y aura un autre jour. D'accord. 5, ils sont interviewés. Puis, d'accord. Normalement, ils ont l'autorisation. Ils sont autorisés que quelques-uns. Même si le groupe est interdit, on est avec eux, mais on va. Non. C'est jusqu'à un petit moment. Alors là, ils ne nous laisseraient jamais. Elle ne dit pas ça, ils ne vont jamais. On va faire la prière, frère. On nous met les gars, frère. On va jeter des fleurs aussi. Ouais. Ici, on a noyé des Algériens. Ah oui, ça y est, ouais, j'ai décidé, c'est bien. Oui, la Palestine, le 17 octobre 1961, elle a noyé les Algériens dans la Seine. 2021, elle continue dans les banlieues. Non, rien. De l'autre côté, il y a quelque chose? Ah, c'est là, ok. Pour nos frères et sœurs massacrés le 17 octobre 1961, ni oubli, ni pardon. Ouais, j'ai vu, j'étais parti.
C'est quoi? C'est la corruption, c'est la dictature. Je t'entends mal. C'est bon, c'est bon.